préfères les prendre vaginalement ou analement? Je peux pas répondre à cette question, c'est un peu trop pour moi. Mais tu peux peut-être demander aux vieux, à mon avis, s'ils connaissent un peu plus. Bonne journée. Ah, ça peut être pas mal, ça. Oli, vous préférez dominer ou vous faire dominer? Faire dominer, bien sûr. Faire dominer, et vous faites quel genre de truc? Ah, je me laisse faire, si je suis dominé, je me laisse faire. Oui, ah, oui. Les menottes et tout? Ah non, pas jusque là encore, pas encore, non. Non, on va y arriver. Hein. On va y arriver, faut tester, hein. Ouais, faut tester. Il est temps. Hein. Ouais, ouais, absolument. Ah bah absolument, oui. Et vous faites quel genre de bruit au lit? Des grognements, de gros grognements, genre ours, ouais, non, ours. Et vous pouvez me faire un exemple là maintenant? Oui, ouais, c'est l'enthousiasme, tout tombe, ouais, ouais, tout tombe. C'est à vous, c'est surprenant. Hein. Alors dites-moi, vous faites quel bruit au lit? Au lit, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais c'est assez agréable, je dois dire. Et vous faites quel genre de bruit? Par exemple, autruche, âne, chèvre? Ah, âne, ça m'irait bien, oui. Âne, vous pouvez faire une imitation? Je sais pas très bien comment il faut les ânes, en fait. C'est plutôt l'abeille, alors? Ouais. Ah, bah oui, l'abeille aussi, j'aime bien. J'adore. Vous aimez piquer dans les fleurs ou on vous pique plutôt à vous? On me pique plutôt à moi, oui. Oui. Moi, je vais bien. Profitez du beau temps? Absolument. Il faut, hein, en Belgique? Ouais. Vous avez déjà mis quelque chose dans le cul? Dans votre cul? Non. Alors, est-ce qu'à votre âge, vous cassez encore des croûtes? Reste la question à savoir, qu'est-ce qu'on casse la croûte? Oui, on mange encore. Je sais pas en belge ce que ça veut dire, casser la croûte. Comment dire? Est-ce que vous avez encore des rapports sexuels? Oui, ça oui, je... Oui. Merci, oui. Avec madame ici présente? Oui. Et c'est qui domine? Non, il n'y a pas de dominance dans notre couple. Non? Alors vous profitez du beau temps, monsieur? Non. Non? Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas le temps, c'est tout. Ah, c'est dommage. Mais vous avez le temps de répondre à si vous avez encore assez de rapports sexuels, par exemple? Oui, ça ne manque pas. Oui? Oui. Avec plusieurs femmes ou... Oui. Oui? Et vous faites des trios et tout? Non. Non? Vous en avez déjà y pensé? Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Ça, mais non. Plusieurs femmes, ça oui. Hein. Oui, bien sûr. Alors, je vais être cash. Est-ce que vous l'avez déjà mis profonde? Non. Non, non. Et vous avez déjà envie de tester ou? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous irez jusque où? Jusque là? Jusque là? Jusque là? Jusque là? Jusque là? Oh, c'est pas mal, hein, c'est un bon début. Ouais. Ça vous viendrait pas à l'esprit de mettre un petit truc dans le cul? Absolument pas. Non. Absolument. Un suppositoire quand je suis pas là, tout. Oui. Quoi? Oui, c'est un peu la même chose, juste la taille, elle change un peu. Mais... Suppositoire. Ouais. Pourquoi pas? Et est-ce que vous trouvez qu'un homme, ça doit lécher? Bien sûr. Je reviens sur l'ours, hein. L'ours, hein. Mais un bon, l'ours, c'est la même chose. Comme ça? Non. Non. Plus fin. Plus gentiment. Et vous practicez bien la langue? Ça, c'est pas à moi qu'il faut demander la question. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Non, vraiment, je sais pas répondre. Et quand vous faites, quand vous léchez la femme? Vous pouvez me montrer le mouvement de langue que vous faites? C'est un petit mouvement de langue, une petite langue comme ça. Petite langue comme ça, ouais. C'est génial. Et vous les aimez comment? Je les aime tout autant. Tout autant? Oui. 5, Q, tout? 3. 3? Comment ça? Ah! Répétez la question. Non, répétez la question. Je me suis dit, on va dans quel délire là? D'accord. On ne sait jamais maintenant avec les mutants. Ouais, c'est vrai que maintenant on croise de tout. On sent tout ce que vous voulez, oui. Oui. Vous voulez partager les bruits que vous faites dans le lit? Il n'y a pas de bruit, il y a les enfants. Ah, il y a les enfants. Ah, il faut être calme du coup. Oui, du coup, voilà, c'est ça. Parce que madame, elle n'aime pas que la porte soit fermée, alors il faut que. Du coup, c'est du sexe silencieux. En douceur, on va dire. En douceur, en douceur, voilà. Les petits. Ça dépend des jours. Parce qu'il y a des autres jours que vous y allez, il y a des autres jours c'est plus calme. Il y a des jours où madame se détend, il y a des jours où madame n'est pas détendue. Donc voilà, c'est ça, ça fait la différence du bruit. Du coup, faut la détendre. Voilà, du coup, faut la détendre. Vous avez déjà pensé au libertinage? Non. Non? Non, jamais. Jamais? Et vous dites, vous êtes plus pour ou contre? Je ne sais pas, ni l'un ni l'autre. Non, non. Vous avez quelqu'un dans la vie en ce moment? Oui. Et vous avez beaucoup de relations sexuelles? Oui. Et vous faites des jeux de rôle?
Ça nous arrive. Et quel genre de jeu de rôle? C'est selon. Docteur? Aussi. Tarzan? Non. Non? Non, j'en ai fait. Et vous allez sauvage ou? Non. Non, non. Tout en tendresse. Tout en tendresse. Ouais. C'est magnifique. Vous léchez? Mais pas de relation. Oui, pas de relation anale. Pas de relation anale? Non. Non. C'est sale, vous trouvez? Ben, le caca. C'est pas fait pour. Ouais, c'est pas fait pour, c'est vrai. C'est fait pour sortir, pas pour entrer. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous utilisez des accessoires? Ça nous arrive. Oui? Oui, oui. Et vous voulez partager quel genre d'accessoires? Quel genre menottes, vous mettez des trucs dans le cul Ah, des sextoys. Des sextoys, ouais. Des gods. Ouais. Vibro. Aussi. Aussi. Ouais. Eh ben, on s'amuse avec vous, hein. Pourquoi pas. Y a pas moyen d'avoir votre numéro. Et vous léchez? Mais oui. J'aime bien les crèmes glacées, oui. Les crèmes glacées. Et les crèmes. Je lèche. Les crèmes juteuses. Oui. Oui. Vous aimez casser la croûte. Oui. Oui. Alors les petits gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de profiter du beau temps parce que c'est chaud. Bisous.